Apreux! Me revoilà! Parfait! Je viens de mettre à l'instant le puzzle fil. Il a failli se faire flaguer pour une raison que j'ignore par YouTube. Il m'avait mis d'abord, on va demander l'avis d'un modérateur. J'ai dit non, mais c'est une blague. Et après, ils me l'ont mis en vert. C'est abusé, hein. Putain. Ouais, donc si vous voulez voir les rediffs maintenant, vous irez les voir sur YouTube. Mais c'est bon, je fais pas de la rétention. Genre, les vidéos, elles arrivent tout de suite. Genre là, j'ai fini Warbird, c'est déjà sur YouTube. Je suis pas un enculé. Je suis d'autres youtubeurs où je suis pas abonné, je dois attendre une semaine pour voir la vidéo sur YouTube. Là, je suis salé, généralement. Oh, François, merci beaucoup, mec. 16 mois. Bon, on va retourner une game. Attendez, d'abord, il faut que je règle mon son. J'ai pas eu le temps de le faire. Hop, hop. J'avais hâte de continuer, en plus. Hein. Le run est génial. Hein. Hop, hop. Voilà. Bon. Ouais, les alertes sont en retard. C'est pas moi, c'est leur serveur. Hein. C'est les serveurs de Streamlabs qui sont un peu à la traîne. Je sais pas pourquoi. Quel youtubeur corrompu fait ça? Bah moi j'en connais un paquet. Ils attendent une semaine pour foutre leur putain de rediff. Ça me rend fou parce que y a... Je peux pas tout le temps être sub. Et je dois attendre une semaine pour voir la vidéo. Et j'oublie. Voilà. Ouais, ouais, j'ai vu François. J'ai vu. Ce qui est logique en plus, je connaissais quasiment tout ce que tu m'as dit, je le connaissais en plus. Sur la cave et tout. Bon, on était où dans ce merdier? Ouais, je suis en train d'aider Ned Wace, regardez Ned Wace. Qui m'envoie des stacks. Le but va être de remettre le royaume entier des Ned Wace sur pied. Avec toutes ses bonnes villes, pour qu'il ait accès à ses meilleures unités, de l'argent, et on va s'en servir pour spammer de la troupe. Voilà. Et pendant ce temps... Ah, ici, il faut que je répare, malheureusement. Là, j'ai fait un misclick. Est-ce que ça passerait pas? Ah non, merde. Ah oui, j'avais fait le misclick de pas mettre le roi sorcier en défense. Merde. Ah ouais, j'ai fait une petite boulette. Bon, c'est pas grave. Je m'étais fait péter la gueule par les elfes à l'Inhir. Ça, je m'en rappelle. J'avais pris une branlée monumentale. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je fais de l'argent. On est quand même sur du 12 000 d'income, quasiment. C'est pas dégueulasse. 12 000 d'income. Et on va utiliser ça pour... on va... ouais, ouais, ouais. On avait pris Endmate. On avait vu que le Rohan était quasiment à l'agonie. Hein. Il lui a mis ça. C'est son dernier stack au Rohan. Donc ouais, on a mis le Rohan à genoux. Le Gondor, ça tient. Mais je voudrais bien passer à l'offensive. À l'occasion. Là, on avait repoussé les assauts de Dol Amroth. On a de la viande ici. Je pense qu'à un moment, je vais assembler une armée. Hein. Je vais me laisser encore quelques tours. Un peu Isarios! Merci mec, 15 mois. Et là, mon alerte est pas en retard. Ah, je crois que j'y comprends pas rien. Merci Belisarios. Et là, pareil. Bon bah écoutez, on est pas mal. On est pas mal. Je propose de passer au tour suivant. Let's go. Oh mais non, mais Brie qui va... Oh, Brie va me spam. Brie va me spam la tronche. Ça va être sans fin avec Brie, je sens. Brie va être chiant as fuck. Et il a même une flotte, ce petit bâtard, là. Il va me falloir une flotte, hein. Je vais essayer de recruter une flotte de mercenaires. Normalement, avec mes généraux, je dois avoir accès à des bateaux mercenaires qui devraient me permettre peut-être de rassembler une flotte à long terme. On va commencer à recruter du Mercos en navire. Ça ne peut être que utile. Oh là là, oh là là. Ok, il va sûrement venir m'attaquer. Hein. Non, il se focalise sur le chef de faction des Ned Wace qui se fait péter la gueule comme une merde. Allez, casse-toi. Bonne question. J'en sais rien. En tout cas, et Ned Wace. Ok, on va avoir une très grosse bataille. Non, pas de bataille. Ok, parfait. En tout cas, et Ned Wace est resté allié avec moi. C'est le seul qui m'est pas trahi. Mon fidèle camarade. Aucune bataille, yes. On va tenter un coup de poker avec le roi sorcier d'Angmar. Faction Announcement. Alors, oh là là, on arrive à finir des bons trucs. La Campbell Guildhouse, non. Ça, par contre, c'est une ville que je vais garder. Temple de Melkor. On va mettre des murs. Ou une garnison, déjà. Voilà. Rocheburg. On va immédiatement
J'ai déjà un espion sur zone. On va continuer à modifier la culture. Et Tarbad. Tarbad est sous siège, malheureusement, à mon grand désarroi. Est-ce que on tenterait pas le coup de main avec le roi sorcier dans le mar? Regardez. Est-ce qu'en bataille auto, ça passerait pas? Si on est un peu méchant. Aïe, 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 aïe! Non, ça passera pas! Bordel de merde! On va continuer à le saigner. Non, mais regardez la def! Hein? Tu as trahi tout le monde, eh, ça va! Ça va! Non, mais je peux pas attaquer ça. C'est pas gagnable. On va continuer à le saigner, hein. Je vais continuer à le saigner et puis et puis voilà. Hein. Je vais continuer à le saigner. Ici on est en def. Là pareil, je vais continuer à le saigner 8 tours. Et à un moment il va peut-être vouloir m'attaquer. Hein. Et éventuellement, est-ce qu'on passerait pas à l'attaque ici? Est-ce que je prendrais pas la Nazgûl? Est-ce qu'on tenterait pas une sortie pour aller attaquer Calambel, hein? Vous pensez que c'est jouable? On essaie de rassembler une armée, regardez. Je vais prendre une armée d'élite. On va prendre deux Nazgûl. Le but va être quand même d'alléger nos défenses. Continuer à renforcer. Du berserker, des archers. On va prendre des risques. Des gros risques. Regardez, on va prendre des très gros risques. Direction Calambel. Qu'ils viennent. Je l'attends. Qu'ils viennent me chercher. Et on va continuer à sortir des troupes. Voilà, au niveau finance, ouais, ça va. Je fais 10 000 d'incom. C'est pas dégueulasse. On va continuer à compléter les pertes. On va faire du turnover. Toi, tu retournes à Dragon Rost. On recomplète. Voilà, ça, c'est recomplété. Direction Anuland. Oh, et Fatayo! Merci pour tes 4 mois, mec! Merci beaucoup! J'en suis déchaîné ce soir. Allez, les renforts. Bon, là-bas, malheureusement, je pourrais pas repasser à l'offensive avant un petit bout de temps, quand même. On va rester défensif. Ici, je ne vous cache pas que j'ai très envie de passer à l'attaque. Hein. Est-ce qu'on prendrait pas l'armée? Comme ça. Et on va vers le sud. Et on prend le Nazgûl. On laisse derrière la racaille. Comme ça. Attendez, on va prendre l'élite de l'armée. Il y a du Nazgaï. J'ai même trop de troupes déjà. Fuck. L'élite. Le Nazgûl. Nazgaï. Hop, hop. Double Nazgaï, allez hop. Il y a beaucoup de caves. Voilà. Battez-moi cette armée. Avec ça, on va aller attaquer Altberg. D'être sur Twitch, je pense ça. Bah écoute, c'est gentil. Bien par Michel Brocante, ce pseudo, putain. 3 mois, merci beaucoup, mec. Faudrait que je fasse un sondage de voir qui est passé sur YouTube. Le vieux quand même, pas mal qui ont dû passer sur YouTube. J'avais pas que des nouveaux viewers sur YouTube, je pense pas. J'ai vu que j'avais un paquet d'habitués. Mais je suis sûr qu'il y avait peut-être des gens qui ne viennent jamais sur Twitch. Et je serais curieux de voir la proportion au niveau statistique de ce que ça représente. Hop là, bon ici, attendez, on va commencer à ferrailler un peu. Hein. Quoique, on va quand même garder parce que il pourrait techniquement encore m'attaquer. Hein. Bon, on va passer à l'offensive. Hein. On va passer à l'offensive. On va essayer de faire bobo. On est à l'offensive là-haut. On est à l'offensive ici. On va attaquer contre le Gondor. C'est parti, hein. On lance. On lance les grandes opérations, hein. On va prendre des risques. On va prendre des risques. Hein. Ça pourrait que ça se passe très mal. Ça se pourrait que ça se passe très très mal.
L'IA me paraît assez conne. Elle bouge pas. Là, c'est juste qu'elle... Allez, oh là là, ah, c'est ce que j'avais peur. C'est juste qu'elle est un peu buggée, là. C'est que je l'ai un peu steamroll. Mais je... Oh là là, oh les nains, oh les nains. Les stacks qu'il a, ce bâtard. Il faut vite que je prenne Kazakh Doom, putain. Je suis encerclé à Kazakh Doom, hein. Est-ce que j'essaie de les brûler? Aïe, 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 j'avais peur de ça. J'avais peur de ça, Sereland. J'ai pas de Nazgaï. Hein. C'est pas grave, tant mieux. Voilà. Eh, hey, vous savez que s'il move Calambel... Oh, là, tu vas pas m'attaquer, mon gars. Là, t'y penses même pas. Hein. Je te défonce, hein. Oh là là, oh là là. Là, on a débloqué l'IA, là. Oh là là, oh là là. Il m'attaque. Ok, on va avoir une énorme bataille. Peut-être que ça passera en auto-battle. Mais je pense pas. Ouf. Et j'ai même pas une si bonne armée que ça. Hein. Il a des balistes. Il a un bon général. Je vais aller me cacher dans un coin. Mais je sais même pas où je vais trouver un coin. Ok, on est déjà là. Allez, bataille, les gars. Très grosse bataille. Le but, c'est de les saigner. Hein. Le but... Demi-tour à Sereland. Non, que dalle, j'y vais. Je tente ma chance. Je tente ma chance, figure-toi. Ou alors, je vais faire l'inverse. Je vais ramener mon Nazgûl en def et je vais attaquer avec Sorman. Oh merde, c'est une sortie de ville, c'est une blague. Je suis pris en sandwich. Oh merde. Oh merde, alors ça, c'est pas une bonne nouvelle du tout. Oh merde. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle du tout. Oh non, j'ai encore des armes de siège, mes berserkers, lâche. Lâche. Oh la mauvaise blague. Ok, il va mettre du temps à sortir de la ville. Oh non, mon cul, il rush. Attendez, c'est le général, ça. Y'a pas un monde où je me débarrasse du général avec mon anti-armure? Attendez, attendez, attendez. Non, 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 non. Je vais être sous les murs. Je vais être sous les tours. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Oh, le sort qui peut, général. Pépé fuit. Regarde. Pépé fuit. Je suis pris en sandwich. L'IA m'a fait un move de PGM. Bien sûr que les tours sont activés. Oh, la fuite. La fuite de Pépé. Ah ouais, j'ai honte, hein. C'est le sort qui peut, général, hein. On va essayer de sauver ce qui peut l'être. On va aller se cacher sur un coin de carte. Il va mettre du temps. Il va mettre du temps à sortir de la ville. C'est le bon point. Il va mettre du temps à sortir son armée. Il a trop de troupes. Ça va me laisser le temps de... Oh non, mais... Non, mais regardez-le. Regardez-le. Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, décoince-toi. Merci, putain. C'est une troupe d'élite. Il faut pas que je laisse... Oh là là, ça arrive vite. Clan Hunter. Et ouais, il est déjà en train de tirer, cette espèce de bâtard. Il me savate. C'est des putains de frondeurs, regardez. Ah, il tire des... Ok, il tire dans des troupes légères, c'est bon. RIP Pépé. Tu vas voir, Skynox, petite salope. Première fois que tu viens dans le chat, et c'est pour lâcher ça. Tu vas voir, hein, qui va être RIP. On se souviendra de ton commentaire et de ta mauvaise volonté. Oh là 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 là, allez, on se barre, on se barre, on se barre, on se barre, on se barre. C'est bon. C'est bon. Et on va essayer de mettre en place une formation, ok? En soi, j'ai pas une mauvaise armée. Faut juste que j'arrive à la mettre en place. J'ai pas de tireur, j'ai que du cac. J'ai que du cac, bien débile. J'ai du gros cac stupide. Général, berserker. Allez, on va essayer de se mettre en place proprement. J'ai de la racaille qui servira... sur les flancs. Allez, je me mets en place. Je me mets en place. J'ai des troupes de choc en deuxième ligne qui vont être parfaites.
Voilà. Pas mal. On s'est extirpé. C'est un bordel pour l'instant, c'est pas un bordel. C'est un bordel en formation, regarde. Toutes mes troupes sont prédispositionnées. Elles ont leurs ordres. Regarde, ça se met en place. Le pot de pu. J'ai du corsaire, de la racaille. T'as vu le bordel? C'est plus le bordel maintenant, on a une belle armée. Prenez votre temps surtout les gars. Genre vraiment prenez votre temps. C'est pas genre on vous attend. Vraiment pas. Ah les rats ils prennent bien leur temps les bâtards. Pareil. Ok, on est en place. On a réussi à s'extirper de l'encerclement. C'est pas mal. Bon, j'ai des troupes qui sont vraiment, mais alors vraiment pas pressées. Ça, des fois, ça me fatigue. Lia, je vais donner un ordre de courir, elle court pas. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, pareil, courez, les boys, là. J'ai une armée de choc, hein. Sauf que c'est une armée de choc, mais pas de choc d'élite, quoi. C'est plus de la merde qu'autre chose. Bon, allez, hop. On va essayer de pas aller se battre sous les tours. On va déplacer ma formation. Et on va se mettre comme ça. Normalement, le bord de carte devrait être ici. Et on va essayer d'utiliser le terrain. Voilà. Allez. Let's go. On a switché. On a switché de camp avec l'attaquant. Et on a repris sa position. Et on va pouvoir attaquer. On va peut-être même pas lui laisser le temps de se mettre en place. Vous savez quoi? On va pas lui laisser le temps de se mettre en place. On va le bourrer. On va lui bourrer le mou direct. Allez, c'est parti. Chop, chop. Le jeu, c'est un Total War. Ouais, c'est médiéval de Total War. Il doit avoir 15 ans. Mais c'est Divide and Conquer, en mode sur le Seigneur des Anneaux. Ok, je prends pas encore la savate. Ah, il y a quand même quelques jolies troupes en face. Il y a du Berserker. Ils vont piquer aux fesses, les Berserker. Il y a du Berserker, il y a de l'infanterie moyenne. Les Warband Blades qui sont excellents. Moi, j'ai que du T1, quasiment. T1, ouais, non, ça va, j'ai quand même pas mal de... Le problème, c'est que j'ai beaucoup d'anticaves. Oh putain, je suis pas en place. Allez. Oh, ils sont pas positionnés et tout. C'est moi qui vais les surprendre, en fait. C'est moi qui vais les surprendre. Parce que là, on va faire ça. On passe en mur de bouclier. On amène la racaille. Allez, la racaille en avant. Voilà, c'est parti. Les archers, sauce-moi ça. Ça, c'est ma racaille anti-armure. Merde, j'ai pas mis le mur de bouclier, c'est pas grave. Hop. Oh, la cavalerie, elle va me faire mal. Mais on s'en fout. Il y a le reste de l'armée qui arrive, hein. On va amener des troupes de choc sur les flancs. Ça va pas tenir sinon. Oh, regardez les pertes que je prends. Ok, je vais replier certaines unités. On va pas prendre trop de risques. On va se débarrasser de la cave. Allez, mes archers font le boulot. Breeding Guards, le général est là. On a trouvé le général! Là, le but, c'est d'en tuer le plus possible. Le problème, c'est que, oubliez pas que j'ai un des meilleurs généraux dans la bataille. Je voudrais pas que Ougluk, mon champion, meure bêtement. Ah merde, il y a de la troupe fraîche qui arrive. On va envoyer ça là-dedans. On va envoyer de la réserve. Pour l'instant, ce flanc-là est plus menacé. On va envoyer les meilleurs troupes là-bas. Comme je dis, j'ai quand même une sacrée troupe en quantité. Là, mes archers corsaires, ma racaille... est en train de s'abattre. Voilà, en plus parfait, la Breeding Guards ont fait du bon dégât collatéral.
Par contre, j'ai plus de réserve. Hein. J'ai mes berserkers. Oh, les balises! Pas dans mon général. Non, non! Pas au glouk! Pas au glouk, putain! Pas comme ça! Oh là 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 là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, toujours plus de réserve. Et on s'abatte. Faut que ça tienne. Par contre, là, une fois qu'on va se débarrasser de cette dernière cavalerie, là. Ici, on va amener des renforts. Mes troupes légères sont en train de se faire découper. Hein. Mine de rien, il a beaucoup, beaucoup de viande. Ça va être compliqué. On va essayer d'encercler tout ça. Mon avantage, c'est que sa cave... Ah bon, ça va lâcher. Allez, avance. Là, tu viens flanquer. Au centre, j'ai mes troupes de choc qui, elles, vont faire le boulot. Oh, la cavalerie qui continue de marceler. Mais c'est de la cave légère. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Là, on va commencer à venir encercler. Là, on va engager les réserves. Allez. Je n'ai absolument plus aucune réserve à part mon général et mes berserkers. Ah, mais il y a encore de la cave qui arrive. Mais t'es sérieux? C'est de la cave légère, mais ils font chier, quoi. J'ai amené les berserkers pour aider ici au nettoyage. Oh, regardez la ligne de front de la bataille. C'est beau. Et j'arrive à faire un encerclement. La Breningard, elle est là-bas, on lui a pas fait une perte. Hein. Ah merde, l'infanterie légère là-bas. Oh là 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 là. Je suis incapable de dire qui va gagner cette bataille. Hein. J'en suis incapable. Hein. Au niveau des pertes, on est à 26 à 18, je me fais éclater. Oh non, la cavalerie, mais non. Fais chier. Oh les balistes. Oh les balistes, le Friendly Fire. Oh là 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 là. Je vais amener mon général, on va mettre un petit coup de soin de soin. Ok, les archers, ils ont tiré toutes leurs flèches. On va les en... Ici, je suis en train de gagner. Hein. Ici, on est en train de... Oh, la Breningard qui est là-bas. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, par contre. La Breningard sur mon flanc, c'est pas bon du tout. Mon général, on va l'envoyer au cac. Hein. On va envoyer mon général au cac, mais je sais pas encore où. Je sais pas encore où. Je suis incapable de dire où ça va craquer en premier chez moi. Oh là 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 là, les balises dans mon... Putain! Je prends une sauce de l'enfer! Et là, mais j'arrive. C'est de la folie, cette bataille. Hein. 37 à 24. C'est de la folie. Et comme je dis, je... Oh là là, non, 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 reste en formation séparée, reste en formation séparée. Ouglouk! Il faut que j'aille au combat. Ok, on va aller là-bas au combat, on va prendre une décision. Et on va espérer que ça passe. Allez, ici. Est-ce que j'allais pas attaquer les balistes avec mes corsaires? Non. Non. Il y a la Breningard qui est là. Oh, ils me font chier avec leur cave de merde, là. Ok, vous savez quoi? Formation serrée, on engage les renforts, on va aller contre l'infanterie moyenne. Oh non, mais t'es sérieux, il y a une phalange. Et c'est des wolfpikes. Puis je vais me faire découper le fion par des wolfpikes. Malheureusement, s'il y a des wolfpikes, je suis dans la merde. À moins que j'arrive à faire un encerclement rapide, je vais perdre cette bataille. À la qualité. Je prends trop de pertes. Je prends beaucoup trop de pertes. Oh les balises. Oh les balises dans mon... Il faut que j'arrive. Enfin, je sais pas comment je vais faire. Même ces infanteries légères me dégoûtent. Ah ouais, j'ai une armée de merde. Au niveau des pertes, c'est catastrophique. J'ai presque perdu la moitié de mon armée. Ici, il a percé. Il y a que mon centre qui est très solide, qui tient. Il y a peut-être un miracle ou un moment. Ici, j'arrive à faire lâcher prise ici. Ils sont dans le jaune, ils sont dans le rouge. S'ils lâchent ici, je peux me rabattre au centre. Il y a encore un monde où ça se gagne. Elle est incroyable, la bataille. La bataille est folle. Ouais, mais c'est con que ce soit pas une démocratie, les gars. Ouglouk, il est encore à 60 PV. Ça a fui. Ça a fui. Allez, on va tenter d'encercler ça.
Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Voilà. Oh, mais il y a la cave qui m'attaque dans le dos ici, mais t'es sérieux? Ouh, allez, un peu de Freddy Fire, un peu de chance pour Pépé. Non, pas de chance. Ah, ça fuit pas, ça fuit pas. Faudrait que je tue son général sur un coup de chance. La Beningar, elles sont 62, ça tombera pas. Ouf. Oh, les savates que je prends avec ces balises de merde. Oh, ici, ça, le problème, c'est qu'il a un excellent général, comme moi. Allez, ici. On fait le boulot. Ça se déplace. Tant que vous bloquez en vie, on continue de faire du kill. C'est pas grave, si je perds cette armée, c'est du T1. On en fera une nouvelle. L'important, c'est de faire le maximum de kills pour aider Ned West. 61-41. Il a des meilleures troupes au niveau qualité, mais mon centre tient. J'ai un centre de extrêmement fort. Oh, regardez, il y a des unités dans le jaune. Il y a des unités dans le jaune chez lui. Oh là là, faut pas que Blouk meure, mais j'ai peur de perdre Blouk, malheureusement. Est-ce que je replie Blouk? Je vais essayer de replier Blouk. Faut pas qu'il meure bêtement. Et là, si je pouvais tuer par accident... Attendez. Oh là là, c'est dans le jaune et tout. On va attaquer. On va attaquer. Allez. Ah, y a de l'infanterie lourde et tout dans le tas. Tu m'étonnes que ça tient. Oh là là, Ougluk qui se fait chasser. Oh, y a toute la cave qui arrive. Mais c'est pas possible. Allez, les berserkers. Oh, j'ai aucune réserve pour Ougluk. Hein. On s'est fait percer à gauche. Hein. On s'est fait percer à gauche. C'est là où il y avait les Wolfpikes, malheureusement. Aïe, 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 aïe. On va devoir penser à se replier. Je vais replier Ougluk. Je vais replier Ougluk. Ou oh, attendez, on va au moins essayer de... Allez, par toi. Oh putain, on y était pas loin. On était pas loin. Non mais il y a toute la cave et tout. Par toi, Ougluk. Par toi. Par toi, par là-bas. Oh, il y a la cave et tout. Il traque Ougluk. Attendez, je vais aller avec mes troupes de corps à corps devant. Allez, c'est pas grave. Je vais retirer ma ligne principale pour sauver Ougluk. Fuyez! Laissez Ougluk tranquille! Aïe, 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 la cave légère! Oh là là! C'est compliqué, c'est compliqué! Je sacrifie la ligne pour que Ougluk... Voilà, allez! Ougluk, barre-toi! Va sur le bord de carte! Fuis! Oh, il a fait un peu de Freddy Fire, elle l'a! Ah non! Ah, que dalle, hein! Allez! Allez, c'est bon! On a sacrifié l'armée! Et on aura fait 50% de kills, hein! Ils étaient très nombreux, hein! Je manquais de qualité dans cette armée, malheureusement! Là, vous voyez que les armées de l'Isengard, c'est bien, mais quand j'avais beaucoup de terrain. Mais mon centre a tenu. Elles sont bonnes, les unités de Isengard T2. Bon, là, on va tuer le plus possible. Et on va se barrer. Non, mais Ougluk, s'il te plaît, barre-toi. Va là. J'ai honte, un Ougluk qui met les voiles. Là, on va continuer à se battre, hein, le plus longtemps possible. Ce sera bien battu. Hein. Vous savez qu'on l'avait presque gagné, cette bataille. Hein. Il me manquait un petit peu de punch. Il me manquait un petit peu de punch et ça passait. Oh, les tirs de balise qui me font mal. Allez, c'est bon. Ougluk est en fuite. Belle bataille. Ouais, mais t'avais raison. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu, malheureusement. Dommage. Dommage, c'est pas grave. C'est pas une bataille décisive. C'est pas genre il est chez moi en train de m'assiéger. On va continuer à essayer de saigner le plus longtemps.
Ouglouk. Ouglouk. Par toi. Non mais Ouglouk, ça suffit. Allez. On a sauvé Ouglouk, c'est bon. On a sauvé Ouglouk. On va continuer à en tuer le plus possible. Vous avez vu le moral de l'Isengar, c'est propre, hein. Même son général, ça tient. Bon, on va se battre le plus longtemps possible. Voilà. Pas de retraite en Isengar, les gars. Oh, Ouglouk, il va juste dire, on s'est fait péter la gueule, il me faudrait une nouvelle armée. On a fait ouais, 50%. Il y a 3 stacks de Enid Weiss qui arrivent derrière, qui pourront peut-être prendre la ville. En soi, la ville, j'aurais rendu à Enid Weiss. Donc le fait qu'on fasse du kill, c'est pas une... C'est pas une perte, c'est pas un désastre. Allez, 50%, allez, 60% de perte. Allez, un petit dernier pour la route. 59, dommage. 60. On a fait 60% de perte dans l'armée. C'est propre. Et c'est nombreux. Et on était nombreux aussi, hein. On était nombreux aussi, hein. Mais on avait une armée beaucoup plus merdique. On avait ouais, pas de Nazgûl, pas de phalangistes, pas d'infanterie lourde. C'est pas mon front principal face au Rohan où j'ai que du lourd, pareil avec le Gondor. Belles économies, ça a rien en perspective. C'est vrai qu'on peut être pragmatique et dire que ça va permettre de me libérer de pas mal... Après, c'était quand même beaucoup de merde que j'avais dans cette armée. Hein. J'avais 5, 7 unités moyennes et j'avais pas de T3 ni rien. J'avais beaucoup de T1, j'avais du mercenaire. On va faire de la place. On va faire de la place, on va recruter de la troupe meilleure, tout simplement. Regardez, Enid Weiss. Enid Weiss avec ses full stacks. Ça... J'ai sauvé Ouglouk, les gars. Oh non, n'y pense même pas. N'y pense même pas, pas Ouglouk. Il vient déjà de faire... Oh, Ouglouk, putain. Est-ce que je peux me barrer? Je peux pas me barrer. Allez, replie-toi, Alfunct. Voilà. Il pourra pas attaquer Alfunct. On a trop de troupes. Bon bah on va devoir passer des commandes, hein. Le réarmement démographique, comme dit Macron, là. C'est parti. Les feux de l'industrie. Ouais, ouais, on a perdu une armée, mais c'est pas grave. Là, on va partir vers le nord. Et là, on est sous siège. Ici, on continue de les assiéger, ça tombe, mais pas assez vite. Il y aura bientôt plus d'armée, là. Mais est-ce que ça passerait pas? Est-ce que ça... Écoutez, on va tenter... Est-ce que sur un accident, je vais mettre l'autosave? Est-ce que ça passerait pas? Victoire claire, je la prends. On a pris Kazakh Doom, les gars. Voilà. Kazakh Doom est verrouillé. On occupe. On baisse les taxes. On répare tout. Est-ce qu'il n'y a pas des bâtiments nains là, dont on peut se débarrasser? On va pouvoir convertir pas mal de trucs de toute façon, mais... Ouais, non, on va quasiment tout garder. Oh, les mines de mithril! Oh, il y a les mines de mithril! On les garde. Ok. On les a niqués! Ils viennent de passer rebelles, les gars! On leur a niqué tous leurs généraux! Ils sont rebelles, le siège est levé! Afuera! Et hop! Non, retourne. Je vais avoir une rébellion, sinon. Un peu de chance! Matez-moi à Kazakh Doom 6000 d'income si on va pas se mettre bien! 1! Ça valait le coup! Ça valait le coup de faire le forcing, moi je dis! Fantastique! On va convertir tout ça, on va installer d'abord. Eh, en urgence, on va installer une garnison. Allez! On s'en fout des trolls! On s'en fout des trolls! Bon! On va lever de la troupe. D'urgence. Eoroth, Dune, Larache. J'ai... On va lever des nouvelles armées. C'est parti. Dun Earth. Voilà. Et j'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent. Ça coûte trop cher. Elles sont bonnes, les unités de Isengard, mais elles coûtent cher. Tant pis pour ce stock. On va réparer les unités ici. L'important, c'est qu'on ait sauvé Ouglouk, les gars. Ouglouk est un excellent général. Et ici, on va passer à l'attaque.
je vais la tenter. Je vais la tenter. S'il veut se battre, qu'il vienne. Qu'il vienne, j'ai une belle armée. Et on va continuer à recompléter les pertes. Ici, au fur et à mesure, j'aurai bientôt une armée de prêtres. À force de tout réparer et de lever de la viande. Voilà. Et le problème, c'est que j'ai peur d'attaquer et de lâcher. De lâcher la surveillance, putain. Ouais, fais chier, putain. Ça va être compliqué contre le Gondor ici. Hein. Même en def, j'ai très très peur de la def. Hein. J'ai bien Saruman, mais. Il y a un monde où ça se passe très mal. Hein. Il y a une autre armée derrière. Hein. Oh, je joue avec le feu. Hein. Éventuellement, on pourrait jouer aussi. Hop, chercher la merde comme ça. Hop. Oh là 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 là, j'ai pas assez d'argent. Et ici, on va passer à l'attaque. On va contourner. On va aller attaquer Alberg. Je prends des risques de zinzin. Mais j'ai pas le choix. Il faut que ça bouge. Et là, on espère qu'ici, il y a des belles armées qui va les utiliser. Là-bas, j'ai un Nazgûl qui sert à rien. Toi, au moment, je vais te mettre au travail. J'ai très très peur, là. Je vais t'attaquer de partout. Ah, au moins, la bonne nouvelle, c'est... La bonne nouvelle, c'est que là-haut, les nains sont morts. On a fait une très très belle affaire en se débarrassant des nains. Ça va me permettre de libérer des troupes à... du Nazgûl... Pour Tarbad. Voilà. Allez, tour suivant. Là, je sens qu'on va devoir défendre très très fort. Hein. Oh là là, regardez! 3 stacks du roi! Je vais aller la tenter, la bataille. Ok, première bataille! Abri! Est-ce que ça passerait pas en bataille auto? Il a aucun général. Est-ce que ça passerait pas en bataille auto? Victoire claire! Je la prends! On exécute! A fuera! Lord Cactus, 46 mois, putain. Merci beaucoup, mec. Allez, au revoir, Brie. Ouais, presque 4 stacks du roi, c'est énorme. Putain, 46 mois, ça fait beaucoup d'années, ça, maintenant. Ok, Ned Wayes, qui fait n'importe quoi. Ok, des stacks. Allez, voilà. Allez, viens mettre un peu de pression, là, t'as des armées. Première bataille. Hé hey. Ça passe pas, hé hey. Ça passe pas en bataille, hein? Aucun général, j'ai Saruman. Ça se tente, hein. Héroïque victoire, allez hop, on exécute. Voilà. Oh là là, et la deuxième. Direct la deuxième. Mais avec mes renforts, on peut peut-être arriver dans son dos. Là, ça attaque à Longgallon, mais j'ai un Nazgûl. On vient de mettre un coup de pied dans la fourmilière. On vient de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Est-ce que le Gondor va m'engager au nord? Ok, là, ça monte vers le nord. Ok, il veut intercepter mes renforts. En soi, c'est bien joué. Ok, alors ça, ça, c'est une bonne nouvelle. Il fait peut-être un énorme misplay, là. Si je peux prendre la ville avant... Il y a un coup à jouer. Je peux peut-être le forcer. Oh, ça va se jouer. Oh, putain, ça va se jouer un tour. S'il attaque dans les deux tours suivants. Oh. Est-ce que je peux mettre le siège à ce tour de la ville? Nouveau général, je prends. Ah, Eoroth, ok. Maintenant, au moins, on fait de l'argent. La Moria a été pillée! Karndun sous siège! Adieu, la Moria. Voilà. C'est moi la faction la plus riche, les gars. Va falloir des armes de siège. Non, je vais y aller au bélier et compagnie. Mais il va me falloir un tour pour les faire. Regarde. Mais la ville, je la prends. La ville, je la prends sans problème, elle est vide. Le problème, c'est que là, il va m'attaquer, et là aussi. Alors que si j'avais... Après, ici, ça va défendre. C'est un peu ici que j'ai peur. Il a un bon général. Enfin, un bon général, façon de parler. Éventuellement... Non, je vais me replier. Je vais me replier, on va pas prendre de risque. On va temporiser. Et là, je vais aller chercher la bataille, les gars.
Matez-moi, Pépé avec sa paire de couilles. Je vais aller chercher l'engagement. Est-ce que j'ai peur? Oui. Mais je veux faire une bataille décisive contre tout ça. Il n'y a que de la cave et je suis full anti-cave quasiment. Oh la vache. Oh, c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Mon espion, tu pourrais aller changer la culture à Enwade. Voilà. Là-haut, on va continuer tranquillement à changer les trucs. Dans le nord. Dans le nord, on va être tranquille. On peut déjà lever des trolls. On peut déjà lever des trolls à Khazad-dûm. C'est une très bonne nouvelle. On va pouvoir recruter des trolls. Et on va aussi pouvoir Ballista Maker, Hunting Lodge. Oh oui, 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 oui. Je dis oui, monsieur. Je dis oui, monsieur. Là, on est bien. Là, on est magnifiquement bien. On va pouvoir changer la culture de tout ça. Et on a un magnifique poste d'attaque là. Tarbad, on va réparer la casse. Voilà. On va réparer la casse. Alfunct, j'ai l'intention de le rendre. Donc on va pas faire quoi que ce soit à Alfunct. Et Oroth aussi, je vais le rendre à long terme. Dunearth, on va mettre des murs. Ça va faire du bien mon income. Hein. Là, je vais pouvoir foutre des murs partout. On va pouvoir commencer à faire évoluer sérieusement. Putain, ici j'ai peur. Hein. Oh là 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 là. Je vais lever des troupes ici. En vue des renforts. Et là, il n'y a pas de bateau. Je vais envoyer un corps expéditionnaire en support. Voilà. On va peut-être réussir à attirer des troupes. On va lever des berserkers, de la def. Voilà. C'est compliqué. Hein. Là, je joue très 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 gros sur ce qui va se passer là. Comment tu vois la culture des villes? Alors, tu cliques sur, par exemple, Anuland, et en bas à droite, t'as Show Settlement Detail. Donc, montrer le détail de la ville. Et là, tu vois, tout en bas, t'as la culture. Donc, tu vois que là, la présence de l'ombre de Melkor, qui est ma culture, a remplacé celle des Dunedain, qui est la culture du Gondor. Par exemple, là, si tu vas sur Khazad-dûm, que je viens de prendre, tu vois que les nains, la culture naine, est encore majoritaire à 82%. Et il y a même de la culture elfe. Parce que t'as la Lothlorienne qui est juste à côté et qui amène un bonus sûrement avec le trade de machin. Donc là je suis en train de remplacer déjà très rapidement la culture parce que j'ai un espion et que je suis en train de je vais construire les bâtiments très prochainement. Bon, est-ce que je peux le... Non, je peux pas lever les troupes. Je vais... Dunearth, on va lever ce que je voulais faire tout à l'heure. De la viande. Voilà. J'ai 20 000 income. Et là, là, c'est osé ce que je fais. Mais il y a un monde où ça passe. Et si je perds l'armée, c'est pas grave. C'est une armée T3 élite avec double Nazgai, Nazgul. Elle est full anti-caf, cette armée. Elle va faire très très mal. Tour suivant. Ce tour est important. Je joue très très gros. Allez, c'est parti. Messieurs, c'est parti. Par contre, toutes ces armées ne sont pas là. Toutes ces armées ne sont pas là. Ouf. Il y a du monde. Il y a Brego, Prince Eric. Écoutez, il y a beaucoup de monde. On va aller faire cette bataille. Hein. On va aller faire cette bataille. Normalement, il n'y a personne derrière moi. Je devrais être en mesure de tenir un de mes flancs arrière-gauche. Et on va aller... Voilà, on va aller l'éclater. Ouais, le roi d'Angmar est un gouvernant exceptionnel. Ça donne un bonus de conversion. Ouais, aussi. Normalement, personne va arriver là-haut. Oh putain, c'est une... Oh, ça change en rien. Voilà. Parfait. On va faire une noob box, les gars. Noob box. J'ai pas le choix. Il y a du monde. Très grosse noob box. Voilà. Les wargs en réserve. Les Nazgai
les Nazgai en réserve. Voilà. Berserker en réserve. J'ai de la troupe d'élite en réserve, ça fait plaisir. Même si mes phalanges venaient à craquer, ce qui peut peut-être arriver, j'aurais de l'infanterie lourde élite. Enfin, pas toute. Pour boucher les trous. Voilà. Et même, j'ai quelques archers. Ah, mais j'ai pas vu, j'ai un double, un triple Nazgai. Oh là là, et trois Nazgai, les gars. Il y a plein de généraux, là, éliminés et tout. On va se régaler. Hein. Attendez, il faut quand même que je me dépêche parce que le rond est en train d'arriver plein de balles, là. Moi, je suis en train de faire le kéké, là. Voilà. Non, mais... L'Isengard a un roster incroyable d'unité. C'est vraiment qualitatif, hein. L'Isengard. Qualitativement parlant, c'est une des meilleures factions, je pense, sur le champ de bataille que vous puissiez avoir. Tellement elle est lourde, elle est complète, ils ont des arbalétriers, ils ont beaucoup d'anticaves, ils ont des phalanges en armure, ils ont des trolls. Vous voulez pas affronter ça, quoi. Bon, je vais sûrement prendre l'assaut sur un tête des tireurs, mais c'est pas grave, j'ai beaucoup d'unités en armure et compagnie. Donc, qu'ils viennent. Allez, on baisse les phalanges, c'est parti, les boys. Voilà, allez, allez, on abaisse tout. Ça arrive. Voilà, du skirmishers. Beaucoup d'infanterie lourde derrière. Et maintenant, on va prendre le feu. On va prendre le feu. Les phalanges sont baissées, mais les mecs, oh. On est professionnels ici ou pas? Allez, il y a beaucoup de tireurs. On va devoir prendre la sauce. Hein. On va devoir accepter de prendre la sauce. Mes archers iraient bien ici, là. Hop. Vous noterez que les Nazgai sont fufu, ok. Très intéressant. Ouais, on va prendre une sacrée coup de flèche, hein. On va tanker, hein. On va tanker les flèches, hein. Et trois ans après, tu les abaisses. Bah, figure-toi que j'ai pas mon chat sous mes yeux. Je suis obligé de tourner ma tête. Un. Ok, c'est la première armée. Allez, amène tes clodos, là. Amène tes clodos. Cavalerie lourde. C'est pas un général, ça? Riddermark. Non, non, c'est pas un général. C'est une très belle unité de cave lourde. Lui vient chercher la bagarre. Allez, viens, espèce de connard. Viens t'empaler sur mon anti-cave. Voilà. Ça, c'est cadeau, hein. Allez. Ça tient le choc. C'est tellement fait pour affronter le Rouen, les hangars. Vous voyez le truc? Quoi que, je dis ça, mais j'ai quand même fait des batailles pas faciles en terrain ouvert face au rang. Hein. Écoutez, je vais amener un Nazgul ici, un Nazgai, et on va se préparer à lâcher une petite salve sur l'infanterie, là. On va commencer à dératiser un peu la zone. Ouh, mais attendez, Royal Guard! On a des généraux dans le coin, là. On va lâcher quelques grenades sur le général. Le but, c'est de tuer le maximum de généraux. Hein. Hop, allez, la petite grenade. Allez. Oh là là, qu'est-ce que c'est fort. Une grenade. Hein. Allez. Allez, les boss. Ah, ils sont un peu longs à mettre en place, des fois, les Nazgai, c'est le problème. Hein. Voilà, 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 voilà. Voilà. Flambez-moi ça, et en plus... tellement bien. Oh oui. Boum. Allez, on cesse le feu. Ça a fait le travail. Ici. Une petite salve. Dans l'infanterie moyenne. Ils sont 139. Hop. Voilà. Honteux. Honteux les dégâts que ça fait. Il y a toute l'armée qui arrive derrière. Il me semble qu'eux, ils avaient des balistes. Oh, il y a encore... Putain, mais il y a... Ok. On va faire le gros dos, le but c'est d'en tuer le plus possible. On va tempo. On a déjà fait 5% de perte. Ici, on va utiliser... Le but c'est de me débarrasser de son infanterie. Quand il n'aura plus d'infanterie, il sera baisé. Voilà, et ça flambe.
On va target l'infanterie moyenne en priorité. Voilà. Allez, cesse le feu. Oh, ça arrive là-haut aussi. Heureusement qu'on avait bien protégé tout. J'ai honte de faire une box, mais j'ai pas le choix. Je peux pas affronter trois armées du Rohan en terrain découvert. On a vu ce que fait le Rohan en terrain découvert, c'est une très très bonne faction. Donc là, je vais exploiter ma compo qui est vraiment une compo de def. C'est pour ça que j'ai provoqué l'attaque. Hein. Battez-moi ça, vous voulez pas vous battre en terrain ouvert avec tous les angles. Hein. Pas une bataille facile. Ils sont nombreux, mais ça va le faire. J'ai vraiment la compo parfaite pour le contrer, en fait. Mais ça me grignote déjà, quand même. Hein. Ça me grignote déjà. Les archers me font pas trop peur, c'est plus les infanteries qui sont gênantes. Regardez, là, on va lancer une petite salve dans les unités moyennes, là. Allez, hop, hop, quelques grenades. Voilà, regardez, des petites salves comme ça. On les enlève par morceaux de vin. Hop, petite grenade. Voilà. Allez, une autre. Hop, allez, cessez le feu. Là, mes archers, ils se régalent. Ici, ça va... Mais vous savez, mes phalanges, là, elles ramassent. Hein. L'infanterie, elle fait très très mal. Hein. Ah, fait chier, regardez tout ce qui arrive. Oh là là. Et il y en a encore une autre derrière. Mais, après ça, le Rohan, c'est fini. Je pense qu'après ça, le Rohan, il s'en remet pas de ça. Les balises de ses bords. Ok. Comment je peux pas aller chercher les balises? Il va falloir que je fasse le gros dos. Les balises vont me faire tellement mal. Il n'y a pas grand chose que je puisse faire contre. Tant qu'il tape. Je préfère qu'il tape sur ça que le Nazgul. Ah, le rat. Oh, il va décimer mon unité. On va faire avec. Les scores sont en ma faveur pour le moment. On a tout ça, c'est de l'anti-cave. Et il me charge qu'avec de la cave et de la merde en plus. Oulala. Toi, mon petit père. Toi, mon petit père, là. Oh. Ouh. L'unité à 176, elle n'existe plus. Allez, voilà. Afouera. Ça c'est cool. Non, changer la formation, bah, c'est pas grave. En fait, j'ai tellement d'unités paquées que... Je suis prêt à sacrifier quelques unités, même voire une ou deux unités pour que... Tant que ça tire pas sur mes Nazgûl, je suis content. Mon Nazgûl est plus important que tout le reste. D'ailleurs là, on va même aller attaquer... On va aller au cac, chercher le combat. Allez, c'est parti. Tiens donc, infanterie légère. Allez. L'important, c'est de pas perdre la formation. Ou... Non, tire pas sur mes Nazgûl, s'il te plaît. Tire pas sur mes Nazgûl, ils sont sympas. Là, ça fuit. Ah non, ça fuit même pas. Là, ça fuit. Eux fuient. Eux pas. Allez, on tire la ligne. Est-ce que le général, l'autre général est pas bugué là? Je le vois pas avancer. Ou alors il avance vraiment au ralenti. Allez, ici on mange la cavalerie, la légère. Aucune chance face à mes troupes d'élite là. Ils ont des bonus eux? Ouais, ils ont des armures supplémentaires. Et ici on les tient à distance respectueuse. C'est des paysans. Ça fera rien face à mes phalanges. Je sais pas combien de milliers ils étaient sur cette bataille. Mais. Il y avait beaucoup de monde. Hein. Est-ce que le général arrive alors? Je pense que oui. Je les vois pas avancer. Peut-être que quand on aura tué tout le monde, ils avanceront. Je sais pas trop. On verra. Uf. Comme dit, je pourrais passer à la contre-attaque. Mais j'ai pas envie en fait. Je vais temporiser. Tout ça, c'est de la. C'est du full cave. Je veux surtout pas qu'il m'attrape en terrain ouvert où je pourrais pas
où il pourra manœuvrer. Oh, Flemar! Comment tu vas, brigand? Putain! Bon, non. Là, on va rester en def. Allez. Est-ce qu'on essaierait pas de brûler un petit peu? Là, ils sont 156. Allez. Les petites grenades. Oh, ça ouvre. Oh là là. Oh, c'est pas top. Hein. Une dernière. Hop. Voilà. Pas mal. Le moral est dans le rouge. Tu t'en sors. Oh, tranquille. Je sors de une semaine de ban. Je suis heureux. Ma chaîne est vivante. À peu près. Donc ouais, c'est cool. Oh, les balises de tes morts! Ouais, je peux rien faire contre les balises, hein. Je vais devoir encaisser. Hein. Je vais devoir encaisser. Au niveau des pertes, on est bien. 24%. Plus, c'est pas genre s'ils me butaient des paysans, ils me butent de l'infanterie lourde. Ils me butent des T3, de l'excellente troupe. Les stream puzzles, bah bien sûr. Bah les stream puzzles, c'est une très bonne idée. Hein. Donc là, je vais en faire de temps en temps. T'as un warg. Ouais, mais regarde toute la cavalerie. Tu crois que dès que je sors un warg, tout ça, ça va me tomber dessus. Je garde mon warg pour la poursuite. Malheureusement, les wargs de l'Isengard, c'est de la merde. C'est les seuls wargs qui ont pas le bonus contre la cave. Ils font peur aux chevaux, mais c'est tout. Ils sont pas bons, les wargs de l'Isengard. Donc, je les garde en réserve. Ah, j'ai trop avancé ici. On va envoyer des réserves pour boucher les trous. C'est du paysan, scout à 91. Pas une menace pour mes anticaves. Je vois pas l'autre armée avancer, hein. Peut-être qu'elle est buggée. Là, ça fuit, hein. Les mid. Allez, viens. Oh, cave lourde. Cave lourde du Riddermark. Allez, voilà. Viens sur les phalanges. Là-haut, ça attaque encore. Putain, toute la cave. Toute la putain de cave. Non, pas dans mon Nazgul. C'est mon Nazgul, ça. Ouais, il tire dans mon Nazgul. Ah, là, espèce de petite salope. Laisse-le tranquille. Je pense qu'un tir de baliste au but tue un Nazgul. Hein. Je pense. Hein. Allez, une nouvelle vague d'attaque. C'est de la light cave à 91. On va en faire de la compote. Oh putain, arrête de... Ok, c'est bon. J'aime pas... Ça fuit. J'aime pas subir les batailles comme ça. Mais là, ils sont tellement nombreux que... Ça fuit, ça fuit, ça fuit, ça fuit, c'est bon. Ça fuit. Le général, il est là. Juan Bodyguard. Il doit commencer à faire la gueule, le général, là. On passe pas. Oh, allez, voilà les... Hey, ça fuit à 85. N'importe quoi, sauf les Balrog ou Sauron, je testais. Ouais, ouais, je suis pas surpris. Ça fait tellement de DPS, c'est merde. Donc, perdre un Nazgul sur un tir de balise, ça me ferait bien chier. On sait ma chatte avec les... Ah, le bâtard! Le général ennemi, il avance, là. Elle avance son armée. Elle avance. Il arrive. Il arrive. Il y a encore tout ça à manger. Hein. Il y a de quoi faire. Hein. Bientôt, avec ses balises, il n'y aura plus de projectiles. Hein. Le problème, c'est que... J'ai une excellente position défensive et c'est lui qui m'attaque. J'ai pas trop envie de manœuvrer de quoi que ce soit. Et j'ai que de l'anticaf. J'avais vraiment une armée prévue anti-roi.
Donc là, j'ai envie de le laisser venir s'empaler sur mes lignes avec toutes ses caves. Et quitte à me faire... paf, si je me fais tirer dessus. L'important, c'est que je perds pas mes, mes Nazgûl. J'ai encore des grenades avec mes Nazgûl. Tiens, allez, ça commence à crever, les capitaines et généraux ennemis, là. On en avait pas eu un seul, c'est qui que j'ai tué? Ah, c'est un capitaine de mes couilles. Bon, c'est pas... c'est pas mal. Le reste suivra. Un petit cri. Non, ça fuit pas, ça fuit pas. Quoique, là, ça fuit, hein, Broken, hein. En même temps, c'est du paysan et tout. C'est une armée nombreuse, mais ça reste du clodo, hein. Putain, on est pas mal. 11%, 37% de perte. Il y en a beaucoup qui s'est enfui. Ici, on temporise. Il y a de l'infanterie. Et il y a le reste de l'armée qui arrive. Il y a du monde encore. Les balises sont finies. Il n'y a plus de projectiles. Ah, il y avait deux jeux de balises, j'avais pas vu. Là, ça recharge. Hein. Là, ça recharge. Hein. Elles sont à moitié buggées, mais ils rechargent. Et regardez, c'est beau quand même l'animation pour l'âge du jeu. Voilà. Oh là là, tu les sens la puissance hein, quand ça arrive. Hein. Ouh, il tire sur mon... Fais chier, arrête de tirer sur mes mecs. Oh là là, je pensais qu'il avait qu'une balise, mais il en a deux. Quelle affreuse bataille, hein. Quelle affreuse bataille, mais on la gagne et elle est importante, hein. Parce que après ça, c'est la fin du rond, je pense, hein. Le rond, il lui reste trois villes et c'était toutes ses armées, hein. Si je le mange là, il reste plus que deux villes. Je peux même peut-être traverser l'Anduin. Et ça me débarrasse d'un très gros ennemi. C'est la porte de Minas Tirith qui s'ouvre si je gagne cette bataille. Parfait. Ici, on a fait le boulot. On va resserrer les formations parce qu'il y a du stack carré. Là, par contre, les wargs. Là, mes wargs vont aller au taf. On va essayer d'aller se débarrasser des balistes. Si l'armée ennemie n'arrive pas. Ouais, j'ai peur que l'armée ennemie arrive trop rapidement. Putain, il y a encore un balèze. Il y a tout ça à manger. Mes phalanges sont en bon état. On est très bien. Son Doomstack va pop. Bah, figure-toi que son Doomstack, il est déjà là. C'est ça son Doomstack, regarde! Tous ces clodos là, c'est son Doomstack. Je l'ai fait pop session dernière, le Doomstack. Ah, de toute façon, depuis le début de ce run, on fait que du tower defense. Rappelle-toi les batailles en continu qu'on a fait au Gouffre de Haine. On fait du tower defense depuis le début. Oh putain, il tire sur mon Nazgûl. Laisse-le tranquille. On est seul contre le monde depuis le début. Attends, regarde, voilà pourquoi je voulais pas sortir mes wargs plus tôt. Oh là là, oh là là, oh là là, allez, 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 c'est ta seule mission. It's your only job. Non, mais j'en ai marre des wargs, ils servent à rien. Oh, ils vont se faire découper, ils sont nuls à chier. Allez, juste une petite charge, ils sont que 7. Voilà. Allez, ça fuit, allez, au suivant. Voilà. Là, malheureusement, je vais me barrer. Il y a tout qui arrive. Allez, cassez-vous. Et ouais, voilà pourquoi je voulais pas sortir mes wargs plus tôt. Il y a juste... allez, toute la cave me tombe dessus. Ok, je me casse. On a au moins réussi à manger une baliste opérationnelle. Je vais me replier. Je sais même pas si mes wargs vont survivre. Fais chier. Bon, c'est pas grave. Bon, il y a la deuxième vague qui arrive. On est encore en train de manger les premières armées. Hein. Les phalangistes font pas tant que ça de dégâts. Ouais, mes wargs sont morts. C'était qui le champion là qui m'avait dit sortez warg? T'as un warg! Putain! J'étais à l'œil, hein! 007 de mes couilles là. Aurel, merci pour le sub! 13 mois, merci beaucoup, mec! La résolution de ton compte Twitch! Ouais, oh, c'était une semaine de ban, les gars, c'est pas grand chose, hein, comme je vous dis, hein! Mon hacker, il a été sympa, mon hacker! Hein. Mon hacker, il aurait pu aller dans les options et fermer ma chaîne, carrément. Il aurait juste pu dire, ah bah écoute, je vais fermer ta chaîne. Bah ouais, il avait les clés du compte. Il aurait pu fermer ma chaîne. Il aurait pu mettre du contenu pédopornographique sur ma chaîne, vous voyez. Ah, j'aurais eu l'air très très con, là.
Et voilà quoi, donc il a été sympa de mettre juste une petite croix gammée avec Erika. Ça nous a offert, ça fait bien rigoler quand même. Mais il aurait pu être beaucoup plus chiant que ça. Ah bon, mes pauvres wargs sont passés à l'arme à gauche. Là, c'est, ça c'est le général. Allez, face à l'anticave, il faut me le croquer. Hein. Ils sont pas doués, ça va. Oh, pute! Ils tirent encore dessus. Putain, les assauts de la cave en boucle, hein. Allez, repliez-vous, venez tenir le flanc de la phalange, vous êtes pas là pour... C'est mes phalanges qui tiennent, hein. Franchement, mes phalanges font un boulot incroyable, hein. On n'a même pas pris de temps que ça de perte, hein. 16% de perte. Il y a encore toutes ces troupes d'infanterie, de cave. Oh là 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 là. Et on va en nettoyer. Au fur et à mesure que ça va fuir, il va en envoyer plus. C'est sympa aussi sur YouTube. Ouais, je vais en faire, hein. Ce week-end, je pense que la minute spatiale, Lord of the Rings, j'essaierai de faire les deux en même temps. J'essaierai de faire du putain, du multi-streaming. C'est techniquement pas compliqué. Et s'il y a des gens qui apprécient YouTube en plateforme, bah ils pourront aller sur YouTube comme ça. C'est techniquement pas un problème. C'est juste quelques réglages à faire dans OBS, rajouter une option et tout pour avoir accès à ça. Allez, ça tient, paysan scout. Ok, l'infanterie arrive. L'infanterie arrive. J'ai encore des grenades. On va les brûler. Tout ça là. Oh, il y a tous les archers. Oh là là. Oh, je vais prendre la sauce. Il a beaucoup d'archers, putain. C'est pas grave. Il y a peut-être beaucoup d'archers, mais j'ai de la troupe. J'ai de la viande. On va. Comme dit, je dois faire le gros dos. Je dois faire le gros dos le plus longtemps possible. Les balises. Vous avez vu, c'est fort, les hangars. Très, très fort. Allez, ça vient au cac. C'est de la milice de paysans, c'est de la merde. Comme je dis, c'est peut-être une armée nombreuse. Mais c'est pas très quali. Hein. Comparé à moi, moi, c'est que du lourd, là. C'est une armée d'élite que j'avais sur le terrain. C'est du top tier. Hein. Il manque juste peut-être un berserker et un troll à la place des archers. Et j'avais une armée de choc. Choc anti-cave. Voilà. Allez. On est encore sur toute la ligne. Là, il y a le général ennemi. Regardez là, le général. Allez, chope-le. Allez, ça tombe. Les archers tirent pas. Mais mes archers, figure-toi, n'ont plus de flèches. Tu vois, les deux, là, ils ont plus de flèches. Et ça, c'est pas des archers. Allez, un de moins. Afuera. C'est pas des archers, c'est mon arme secrète. Regarde. Je vais te montrer. Ce sont des Nazgûl. Oh, magnifique. Allez. On va aller comme ça. L'unité la plus cheat du jeu. Allez, feu à volonté. Grenade. Hop. Allez. Voilà. En position. Allez. Feu. L'unité qui passe de 173 à 89 et fuit. Oh, c'est... J'ai honte. J'ai honte tellement c'est fort. Allez, on remet une petite couche. Allez, on va s'occuper de cela. Ah non, 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 non. Il y a de l'infanterie moyenne à 144, là. Il y a de l'infanterie... Ça, c'est une meilleure cible. C'est pour ça que je suis extrêmement économe avec eux. Ils ont pas beaucoup de grenades. Mais leurs grenades sont décisives. On va aller un peu en arrière. Hop là. Et là, on va les cramer aussi. C'est parti. Allez. Hop. Voilà. Ça, c'est du paysan. Ça aime pas du tout les grenades explosives. Hein. Parfait. Là, ils sont 130. On va se mettre comme ça. Allez. Hop, hop, hop. Extrêmement fort. Allez, ça tient. Ça tient contre la cave. On leur a fait 57% de perte. Allez, crame-moi l'infanterie moyenne.
Eux sont une proie légitime. On a déjà passé la moitié du temps. Hein. Voilà. Voilà. Ouh, ils étaient 129. Allez. Magnifique, c'est cessez-le-feu. Un coup de soin-soin. On va amener des renforts. Parfait. Ça tient. La boutique tient. On voit les unités qui fuient peu à peu. Il y a encore tout ça de cave. Ça va venir s'empaler. Je crois qu'il est temps de passer à la contre-attaque. Je pense qu'il est le temps de passer à la contre-attaque. C'est parti. J'ai fait le gros dos pendant non-stop. On enlève les positions défensives. On va engager les réserves. Et on va pousser. Voilà. Voilà. On va lancer des grenades dans ce qui reste. Est-ce qu'il n'y a pas un général à choper? Il y a tellement d'unités encore. Voilà. Les troupes de choc. Allez. Allez, balistes, elles sont bien casse-couilles. Hein. Ah, mais j'avais pas vu que j'avais des berserkers. Je disais de la merde tout à l'heure. Ils ont même pas pris une flèche, les bougs. Bon. On va aller cramer les archers là-bas. Infanterie légère. Y a plus que de la cave. Y'a quasiment plus que de la cave. Dans cette armée de débiles là. Allez, la cave lourde, là-bas. Oh, les balises, putain! Mais c'est indécent! Non, 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 non. Non, 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 les berserkers. Appuyez l'attaque. Là, on pousse. C'est parti. Allez. On va attaquer tout ça. Là, ça brûle. Ça fuit, ça fuit, ça fuit. Les grenades ont tout fait fuir. Allez. Oh, c'est indécent. Hein. Allez. On attaque. Oh là 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 là, les pertes. On se régale, là. Hein. On se régale, là. Hein. On en a tellement chié contre le Rohan. On a grindé le Rohan depuis le début. Pouvoir enfin. Allez, on va manger tout ça. Là, on va lever les murs de bouclier. Il est temps de passer à l'attaque. On a bien def. Maintenant, en plus. Allez. Oulala. Allez, les berserkers. Ils sont pas anti-cap, mais c'est pas grave, ça va faire le boulot quand même. Sacré matériel. On en a pas fait beaucoup des. Avec autant de monde en terrain ouvert. Là, ça fuit, hein. Ça craque. On a tué un capitaine. Et on a tué le prince. Prince Eric, est-ce que c'était pas l'héritier, ça? Je pense que oui, hein. Il y a encore de la cave lourde, là, qui fait mal. Là, on va mettre des renforts là-haut. Là, on lève les murs. Oh, les phalanges! Mais ça tire encore ces balises de merde! Ok, ça fuit. On va aller attaquer les archers. Allez, c'est en train de lâcher tout ça. C'est en train de lâcher tout ça. Voilà. Allez, les balistes. Putain de sa mère, il nous aura fait chier. Hein. Elle a duré combien de temps, cette putain de bataille, là? C'est ouf! Allez, la poursuite. Il y a le général, là. Les bodyguards. Le général est encore vivant! Il se barre! Il fuit! Il abandonne ses hommes! La queue entre les jambes! Ah bah, on est loin des... de Théoden, là. Regardez-le! Ah, c'est pas lui, là, c'est un autre. Allez, on en sert tout ça. On va aller choper les balistes.
Cette fois, c'est bon. Hein. Voilà. On aura quand même pris 30% de perte, mais c'est plus qu'acceptable vu la branlée. Ouais, les prisonniers, là... Oh, il s'est reformé. Il s'est reformé, ce Tchad. On va pouvoir l'éclater. Allez, viens là, viens là, viens là, viens là. Continue la bataille. On l'a pas eu. Il s'est barré. À deux. Fuck. C'est pas grave. Belle victoire, on la prend. Qui a bossé chez moi? Je pense que tout le monde a bossé. Hein. On a des piquets à 324 kills. Ouais, les piquets à 200, 300. Les Orkman Spear Guard à 377. Tout le monde a bossé. Les Nazgaya à 297. Beau travail. Ougluk. Ougluk, il a sacrifié toute la ligne pour s'enfuir. Vous voyez? Très important. Vous vous assurez que les cantinières soient prêtes à l'arrière et vous dites que vous allez faire une inspection d'urgence à l'arrière. Quand vous voyez que ça commence... Les Wargs 29. Putain, les Wargs. Je sais pas que ça... En fait, les Wargs, vous les gardez juste pour la poursuite. Pour faire des prisonniers. Sinon, ils servent à rien. Ou alors, si en face, il n'y a pas de cave, vous pouvez aller choper les armes de siège. Sauf que le Rohan, il y a toujours la moitié de cave dans l'armée. Donc vos Wargs, littéralement, c'est une unité qui pourrait... Oh là là, allez, on exécute, hein. Allez, on exécute. Et il y a encore un stack, hein. Et on prend Alberg. Voilà! Pas mal! Et une belle ville en plus! Maintenant j'ai. Oh non, mais c'était que le début du tour! Il y a encore le tour du Gondor! J'ai. Est-ce que vous pensez que ça passe ça en bataille auto? Il y a du monde dans l'armée, hein. C'est une très très belle armée du Gondor. Est-ce que ça passe en bataille auto? En mode attack! 36 mois, merci beaucoup, mec. Ça passe. Ça passe, hein. On a fait des batailles auto comme ça ou qui passent, hein. Non. Tu joues ton ban permanent là-dessus. Et je sais de quoi je parle avec les bans, hein. On essaye, hein. Oh là là, il va falloir que je la fasse. J'ai pas le choix. Saruman se fait péter la gueule. Ça fait 3 ans, ma Daltak. Tu as save, bien sûr. J'ai save. Oh, j'ai save. J'ai save, hein. Pas save. Oh merde. J'ai pas save. Foutez-moi. J'ai pas save. Écoutez, c'est pas grave, on va... On a vu... J'ai pas save... Non ! Écoutez, on va la faire en auto-battle. On va faire l'auto-win à Alberg. Je l'ai gagné, la bataille, ok ? On va la faire en auto-win, ok ? Oh, je me déteste. J'ai oublié de sauvegarder, mais c'est pas possible. Et là, il attaque pas ! Oh, moi je m'en fous, hein. Eh, quoi qu'il arrive, j'affronte en auto-win, hein. On est clair, hein. Alberg. Mais si, j'ai joué mon tour, regarde, 160. L'auto-save, voilà. L'auto-save, elle commence toujours au début. Oh putain, j'ai un mauvais pressentiment parce que là, si lui m'attaque après et que les murs étaient détruits. Oh, il y a un monde où, c'est la fin du run. Il y a un monde où c'est la fin de run maintenant, hein. S'il détruit les murs et que l'autre stack arrive derrière, j'aurais pas eu le temps de réparer. Merde! Est-ce qu'il a des armes de siège? Ok, il a pas d'armes de siège. Il a pas d'armes de siège. Déjà, s'il a pas d'armes de siège, ça va grandement faciliter ma vie. Oh là 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 là. Bon. Ça va être très très chaud. Qu'est-ce qui va monter sur les murs? Forcément, ses meilleures troupes vont être sur les murs. La racaille. On va défendre. On va défendre. Ici. La racaille, elle va monter sur les murs. Saruman, tu vas attendre.
comme ça. Et avec Saruman, j'ai un plan. Je sais ce que je vais faire avec Saruman. Il faut que j'arrive à rentabiliser mes carreaux d'arbalète. On va faire comme ça. On va mettre Saruman ici. Comme ça. Et normalement, j'aurai un tir direct sur l'entrée là. Et là, pareil. Sachant que j'ai en plus des unités perce-armure qui pourront venir renforcer là-haut ou en bas si ça tournait mal. Cette bataille est... Putain. Je prends des risques de dingue avec mon chef de faction. C'est chaud, hein. C'est très 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 chaud. Et il y a un autre stack qui arrive derrière. Par contre, la tour, elle va peut-être prendre un tarif de l'enfer. On a la chance d'avoir une ville bien fortifiée. Il faut que la bataille dure. La tour, elle va prendre cher. Elle est déjà à 14%. L'infanterie moyenne, est-ce que on pourrait pas lui mettre quelques carreaux avant qu'elle arrive? Le rêve, c'est que la tour soit détruite un petit peu plus tardivement. Ok, ça tombe un petit peu, ouais. Oh, c'est que du tir au-dessus, je déteste ça. Ok, ça tombe, ça tombe, ça tombe. 140. La tour est à 17%. Là, ça monte sur les murs. Eux vont me découper. Hein. Eux, là, l'infanterie du Gondor, elle va m'exploser le boule. La tour est à 30%. Ça monte. Allez. Le bélier est sous les murs. Oh, il y a des Axeman de Losarnac et tout. Oh là 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 là, l'enfer. Il y a de la cave lourde. J'ai très très peur. J'ai très 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 peur. Ok, là, mine de rien, on défend bien. La tour est à 42. C'est pas assez. Ils vont réussir à monter. Ça fait pas assez de dégâts. Oh, y a rien qui tire sur la tour. Oh, à peine 45, c'est pas assez. Oh là là, ici je prends cher. Ok, je vais envoyer une troupe en renfort. D'anti-armure, le temps. Ok, c'est bon, 47-54, on a un petit peu de temps pour envoyer des renforts. Là, on va venir boucher le trou. La tour est à 48, il va réussir à monter. Attendez, attendez, 48, allez, mais faut que ça fasse plus de dégâts que ça là. Pourquoi ça tire pas? Ok, là on envoie de l'anti-armure. On va essayer de leur faire mal. Voilà, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ça aime pas mes hacheurs. Oh, ce que je prends. Ah, et là, il est déjà là. Oh, la tour est à 57. Allez, 60. Plus vite. Un Anonymous. Bah, écoute, c'est gentil d'offrir... ça. Oh, l'enfer. On n'a pas réussi à détruire la tour de siège, elle est à 67%. Et c'est de la troupe d'élite qui monte. La porte va sauter. Ah, je connais pas. Hein. C'est qui C'est interdit de s'appeler comme ça? Et attendez, attendez, attendez. 88%! 88%! Y'a un monde! Allez, 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 allez! 89! Oh, allez, 91! 94! Allez! 97! Une! Allez! Ça tombe pas. Non, mais non, mais non, non!
Allez! Boum! Ça tombe! On a eu chaud là. Et le moral du Gondor. Ça s'effondre. Le moral il reste vert. Hein. Les mecs viennent de perdre toute l'entièreté de l'unité. Ça reste vert. Là on les grignote. Et le bélier va. Eh attendez, le bélier qui est bugué! Le bélier qui est bugué, ça en prend. Ah non, il revient. Il revient. Il envoie des renforts. Putain, c'est pas mal. Au niveau perte, j'ai pris plus de pertes. Je suis dans la merde. Oh, que je suis dans la merde. Bon, après, c'est que mes unités de mauvaise qualité qui se font croquer sur les murs, ok. Là, maintenant, j'ai mes meilleures unités qui vont rentrer en action. On va essayer de faire du DPS. Ça pourrait quand même mal se passer. Hein. J'ai peut-être été un peu gourmand. Ah hein. Oh, et eux là, on n'arrive pas à les croquer. Non, le but ça va être de faire une kill zone. Il y a beaucoup d'unités qui vont arriver. Il y a les... ma target ça va être eux là. Attendez, mais vas-y, parez-vous, parez-vous. Attends, mais il y a des gardes de la fontaine. Ok, ils sont 39. Eh, ça va pas la rune dans les hangars. Peut-être, hein. Ça me fait chier, hein. Mais j'ai peut-être pris trop de risques. Hein. Pour l'instant, la boutique tient encore. Hein. C'est pas perdu. Hein. On a déjà fait des batailles clutch. Avec Saruman et tout. Mais pour l'instant, mes tours font énormément de dégâts. Là, on va engager des réserves. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de général dans cette armée. Hein. Si, il y avait un général dans cette armée. Il y avait des bodyguards. Il y avait un général, vous vous rappelez? Bon, de raison que j'ignore, il attaque pas. Il reste sous les tours. Écoutez, il reste sous les tours. Ça m'arrange. Oh là là, eh, ça reste sous les tours. Général avec Archer du Veil. Ok, donc là-bas, Archer du Veil, Black Root. Ok, il est là. C'est rentré. Les gardes de la fontaine. Les gardes de la fontaine. Ouais, la position de tir, elle est pas aussi bonne que je le voudrais. On espère que ça va passer. Oh non, mais tire pas en l'air! Ah, ici on n'arrive pas à les manger sur les murs. Vous vous rendez compte de ce que ça me fait, l'infanterie moyenne? Vous savez que dans mon malheur. Oh, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Oh, mais non, mais non, mais j'aurais. Oh là 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 là, mais putain d'arbalétriers qui sont pas en place et les IA qui sont buggés par le trou du cul sur ce jeu. Allez! Ils sont plus que 29, l'infanterie du Gondor. 29 et 43, et ça tombe encore. Ici, on temporise. Ils sont 25, les gardes de la fontaine. Vous savez quoi? Je vais attaquer avec mon anti-armure. Je vais attaquer avec mon anti-armure. Et on va essayer de lui faire du DPS. Si je peux me débarrasser de quelques troupes d'élite, gratuitement, je prends. Temporise-toi, arrête de tirer. Oh, ici, ils sont encore 38. Pour l'instant, regardez, on mange les gardes de la fontaine avec du T1. Mon anti-armure est en train de faire le travail. Comme je dis là, on mange des unités d'élite. Hein. Après, il y a beaucoup de piétailles. Hein. Il y a de l'infanterie légère. Et tout ça, et il a l'air à moitié bugué. Il y a de la cave lourde quand même, et la cave, j'en ai pas peur avec mes phalanges. Là, je suis en train de me débarrasser de troupes très très quali. Ok, je crois que ça rentre. Toi, replie-toi. Replie-toi, voilà. Voilà. Allez, ils sont plus que 8, les gardes de la fontaine. Plus que 8, c'est cadeau. L'IA réagit pas. Voilà, allez. Pendant ce temps-là, on fait du kill, hein, regardez. 28, hein, pour cent, hein. Bon, on a aussi pris un peu cher. Là, on va tirer dans le tas. Voilà. Gilène avec une étoile, ok. Là, avec Saruman, on va se débarrasser de l'unité qui reste.
Oh, y a des... Oh, les tours qui sont tombées, les échelles. Oh, merde. Ça arrive. Je vais me replier. On a fait le ménage. Il y a la cavalerie qui arrive. Oh non, la milice du Gondor qui monte sur le mur. Ok, attendez, on va essayer de s'abattre comme ça. Voilà. Allez, on fait du kill. Ça rentre. J'ai perdu la moitié de mon armée. Allez, on les s'abatte comme ça. Les passes sanitaires. Les QR codes. Allez, ici, ça, c'est la cave lourde. On va la croquer. Là, Saruman se régale sur le mur. Hein. Regardez, c'est du tir au pigeon. Hein. À mon tour de faire un peu de kill, les gars. Allez. Battez les kills qui montent. Voilà. Ah, pas de passe sanitaire. Allez, ici, ça tient. La cave lourde, on la tient. Comment ça se passe de l'autre côté? De l'autre côté, c'est compliqué, mais il est dans le jaune. Allez. Faut tirer. 37%. On commence à refaire du kill. Allez, on les one-shot hein, avec les arbalètes, là. C'est du léger, mais c'est pas grave. Allez. C'est un peloton d'exécution, hein. C'est un peloton d'exécution, hein. Ici, ça tient. J'ai de l'anticave. J'ai ma phalange. J'ai encore mes archers en réserve avec qui j'ai pas commencé à tirer. Et s'il faut, on va pouvoir commencer à tirer. La Saruman est en train de nettoyer le mur. Chopez-le, lui, là. Chopez-lui, il prend la confiance. Chopez-le. Voilà. Boum. Là, ça commence à rentrer, hein. Ici, mes anti-armures, ils sont plus de 15. Allez. Faut pas s'arrêter, là. Pas en si bon chemin. Voilà. Allez, 43% de perte. On est en train de rééquilibrer les pertes. On rééquilibre. Voilà. Allez. Et ici, ça tient. Allez, on nettoie. Là, mes tours continuent de faire le boulot. Il y a les lourds de Los Arnak qui sont là-bas, qui me font très peur. Les haches en lourd. Excellente unité. Mais pendant ce temps-là, on est en train de rééquilibrer les pertes. Et n'oubliez pas que mes pertes, à moi, c'était du léger. C'était ma garnison. On est en train de rééquilibrer. On va la gagner, cette bataille. Voilà. Saruman aura fait le boulot. Hein. J'ai pas de manquer de munitions. Si. si. Mais il faut que je nettoie le mur. Voilà. Oh là là, ici on a presque gagné. Ils sont plus que... Ok, là parfait. Mes archers, s'il vous plaît, essayez de faire un tir correct. Là ils sont 15. Ah, il est arrivé au cac, c'est une blague. C'est bon. Bon, oubliez pas que les gardiens de la main sont aussi d'excellentes troupes de corps à corps. Hein. Ça va bientôt fuir. Cette unité elle va bientôt fuir, elle est dans le rouge. Encore une ou deux salles, mais on est réglé. Par contre là après il va falloir que je bascule vers le plus bas. L'enfer avec le full stack, c'est ça qui me fait peur. C'est le full stack. Ma garnison va repop, donc en soi, je suis en train de limiter les pertes. Allez, ça fuit. On va voir si on peut tirer dans le tas là maintenant. Oh, ça tire pas.
attendez, on va même aller là. Regardez, on va aller comme ça. Hop. Comme ça. Allez. Et où tu vas, toi? Et là, les archers. Voilà, oh, les archers font un tir parfait. Battez le tir de mes archers, là. Il est excellent. On va tirer sur les axes-man de l'Osarnac. Là, on est bien placé aussi. Comme ça. Voilà. C'est vrai que sur Attila, ça, c'était cool. Sur Attila, les tirs qu'on pouvait faire au-dessus. Allez. Ouais, ouais, les axes-man de l'Osarnac, on va les focus maintenant. Ça aime pas les flèches. Ça fait beaucoup de DPS, mais ça aime pas les flèches. Regardez. Voilà, regardez par au-dessus, là. Si ça touche pas. Allez. Oh, il y a encore beaucoup de troupes derrière. Allez. Chop, chop. Un petit coup d'avoir. Allez. Oh là 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 là, j'ai des troupes qui tombent. Hein. Des troupes qui prennent du kill. Là, on continue de s'abattre. Eh, il a pris 64% de perte. Hein. Il est repassé devant moi. Les axes-man de l'Osarnac sont tombés sous les 100. Si je pouvais tuer le général, mais malheureusement il est en dehors. Allez, ça tombe. 93, 89, ça tombe très très vite. Et les T1 sont aussi faits pour ça. J'ai une question, le chat. Ma porte a été défoncée. Est-ce que j'ai besoin de réparer la porte? Normalement, non. Si là, par exemple, je gagne la bataille, ce qui est parti pour, le stack qui arrive derrière, il ne pourra pas rentrer directement. Il devra relancer un siège. Vous voyez ce que je veux dire? Je me trompe pas en termes de mécanique de jeu. L'énorme stack qui arrive derrière, si je gagne cette bataille sans que les murs soient détruits, il devra... Ça fuit? Non, ça fuit pas. Ça fuit! Ça fuit! C'est bon! Wouh! On va reprendre la position. La porte sera réparée. Ok. C'est très très bon pour moi, ça. Ça veut dire que je peux peut-être aller prendre l'autre ville là-bas. Et l'IA va devoir réagir comme elle a perdu le terrain. Elle va devoir lever les sièges et se barrer. Oh là là, je joue tellement gros. Eh, ce genre de conneries, c'est pas à faire, hein. Surtout avec moi qui dis « Oh oui, si Saruman meurt, on arrête tout. » Je joue avec le feu, hein. Mais ça va payer, j'espère. Et là, hey, il est à moitié bugué. Je vais laisser mes tours faire le DPS. On l'a mis à 72. Eh, hey, belle def, hein. Pas mal, hein. On a sacrifié les garnisons, et dans l'ensemble, on n'a pas pris tant que ça de perte. Oh putain, et l'autre, là... Avec sa cave lourde à la con. Il y a encore des gardes de la fontaine. De toute façon, c'est à lui de venir me chercher. C'est à lui de venir. Moi, maintenant, j'en glande plus une. Hein. Je vais laisser mes tours bosser. Et on sait que les tours de mètre 2, ça DPS. Sur l'usure, ça DPS. Hein. Regardez la quantité de mecs tombés avec les tours. C'est énorme. Vous savez quoi, là, on va donner un petit coup de pouce. On va aller attaquer. On va essayer de se débarrasser de ça. Allez. Croquez-moi la cave lourde. Voilà. Hop. Ok, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Il y a encore de la troupe derrière. Infernal. Hein. Ok, ça fuit, ça fuit, ça se barre. Écoutez, Lia, elle est à moitié buggée. Elle fait pas tout rentrer comme une bourrine. J'aurais bien aimé tuer le général ennemi, là. Oh, regardez, lui, il a pris un carreau d'arbalète. Putain, un carreau de def. Parfait. Allez, on se met en position. On défend. On bouge pas. Je tente pas une sortie. Hein. Je tente pas une sortie. Tu veux pas tirer sur Jarry avec Saruman? Malheureusement, on va essayer. On va essayer d'avoir une bonne position de tir avec mes... J'aime pas tirer depuis les murs comme ça. Ok, ça retente. Cette fois, c'est de la guardsman. C'est du terrain de merde. Voilà, j'essaie de faire une bonne ligne de feu. Et on va essayer de sabater le général. Archer du Veil, Blackroot. Est-ce que je vais réussir à avoir un beau tir? Allez.
Ils sont 59. Oh mais non! C'est de la merde! Oh ça va, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Quitte à cramer des carreaux, on va essayer de se le farcir. En plus, j'ai mes balises qui tirent dessus. Regardez, hop, 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 ça tombe. Il est là. Il est déjà en sang, hein. Il a déjà pris un carreau, hein. Jakku, là. Ouh. Oh, le peloton d'exécution. Il y a un côté, comme dit Jaeger, hein, il y a un côté savoureux, hein. 35. Attendez, on est toujours engagé ici. Hein. Il y a les gardes de la fontaine qui sont rentrés. On va attaquer. Ils sont plus que 31. Je vais pas réussir à l'avoir, le général, je pense pas. Je pense pas. Non, et puis en plus, maintenant, il est mêlé avec les autres troupes. Ok, ça a fui. Repliez-vous. J'ai pas envie de poursuivre. Écoutez, on aura fait 80% de pertes. On aura pris le minimum de pertes. C'est pas mal. Le problème, c'est le stack derrière. Il veut pas trop rentrer. Écoutez, on va laisser le... Oh non, non, ma phalange! La cata. Et voilà, pas de micro pendant 10 secondes. Je suis directement puni. Bon, on va aller... On va prendre le risque de nettoyer maintenant avec Saruman. Saruman, il prend techniquement pas de perte. Et là, s'il y a un carreau d'arbalète qui arrive. Un carreau de balise qui arrive dans Saruman. Je vais être très stressé là. Regardez, il est en première ligne. Ah ouais, l'avantage, c'est que l'unité va se compléter toute seule, vous voyez. Ah bah visiblement ça a débugué tout le monde, regardez. Parfait. Allez Saruman, tu vas aller au corps à corps. Même pas besoin peut-être, hein. Ok, cette fois il arrive. Ça revient, ça retente encore. Putain, il sera allé jusqu'au bout, hein. 95% de perte, hein. On attend que tout arrive. Et on va... Oh, vous savez quoi? Allez, on attaque. On va les submerger sous le nombre de 50. Ouais, parfait. Et voilà. Bonne bataille. Bonne bataille. Je la prends, celle-là. Maintenant... Bon, la bataille là-haut avec le roi, on la prend en auto-battle, hein. On la prend en auto-win, hein. C'est bon, hein. Je l'ai fait, j'ai gagné. Hein. Et peut-être même qu'avec l'auto-win, je vais prendre plus de pertes que la version réelle. C'est la prochaine. Je vais essayer d'esquiver la prochaine en utilisant les mécaniques de jeu. Parce que là, il va devoir refaire un siège. Il va devoir refaire un siège. Il va devoir faire un tour pour refaire des engins de siège. Alors que moi, mes engins de siège de l'autre côté sont déjà faits. Et bah, je vais jouer gros là-dessus. Allez! Il prend le bait! Il le gobe! Dans la gorge, là, l'hameçon! Ah là là, ceux qui espéraient que le run se termine. Ça sera pas tout de suite. La chatasse, non! C'était un pari calculé. Eh, regardez, Enid Weiss qui est à l'attaque. Enid Weiss est à l'attaque de Suduri, ça fait plaisir, ça. Allez. Là-haut, un Nazgûl à Tarbad.
on contrôle les deux côtés des mines de la Moria. Et ça, c'est génial. Maintenant, on va ici. Hop. Ça va passer en auto-battle. Comme papa dans tonton, regardez ça. Hop. 43 pertes. Et on prend la ville. Voilà. Et ça, ça va forcer le Gondor à abandonner la zone. Normalement, et à se replier. On vient de faire une bonne affaire. Je pense que les sièges vont être levés. Oh là là, l'état de mes troupes. L'état de mes troupes, c'est une catastrophe. Oh non, mais les murs là, il faut que je répare, j'ai pas le choix. Oh, je peux même pas réparer mes troupes, je peux même pas. Est-ce qu'il y a des mercenaires? Attendez. Il y a même pas de mercenaires. Fais chier, c'est pas grave. Là, je vais prendre toutes ces troupes là de renfort. Et on va essayer d'amener des gros renforts à Saruman en urgence. Ici, ça a tenu. Là, on va aller dans le fort. Voilà. Et on prépositionne nos troupes. Il y a l'elfe qui prend une ville à côté de la Moria. Oh, regardez! L'armée naine indépendante! Regardez le monstre! Écoutez, on va laisser le nain, on va laisser l'elfe gérer ça. Hein. Alors, ouais, c'est le. Ouais, mais l'elfe, là, j'y peux rien, malheureusement. Putain, troupe Noldor. Bon. En soi, le nain va me faire une barrière défensive non négligeable ici. Regardez, là, on a des troupes qui sortent, on a du troll et tout ça. On est pas mal. On est pas mal. Dans le sud, je m'étais fait péter la gueule salement. On va faire de la viande fraîche. On va faire de la viande fraîche. Oh, c'est vrai que j'avais un nouveau général ici. On pourrait aller remplacer mon Nazgûl. Toi là-bas. Et on va aller. Ça va me permettre d'envoyer mon Nazgûl dans le sud. Et là, ça fait très très plaisir de voir. Enid Weiss à l'attaque, regardez. Il est en train de faire le siège de Sudurie. Le problème, c'est qu'il n'a pas de général. J'ai peur que ça passe pas. Mais il a quand même des sacrées troupes d'élite. Et quoi qu'il arrive, je vais aller l'aider. On va aller prendre l'homme d'air. Avec ma deuxième vague d'assaut. C'est que partir mise. Bon, j'ai de l'argent à dépenser. Rocheburg. On va faire un nouvel espion. Ah, j'ai pas d'espion ici. Ben maintenant, on va en avoir. Et là, on va continuer. Là, des murs. Oh là là, le Rohan. Ah oui, c'est vrai que le Rohan, on va devoir se débarrasser de... Allez, des murs. Et d'Horas. On va attendre. Hornburg. Non. Anuland. On va mettre des murs. Non, on va mettre ça. Cavatrol, ça va attendre un petit peu. Ici, on construit. Là, je suis sous siège. Et là-haut, des routes. Parfait, voilà un bon tour économique. Les mecs ont fait 23 000 d'income grâce à la Moria. Les mines de Mithril. Kazakhdoum, qui n'a pas été converti à ma culture, me rapporte 7700 d'income. Vous vous rendez compte à quel point c'est riche en late game? C'est un. Et dites-vous que je suis qu'à 23% de ce que ça peut me rapporter. Plus vous changez une ville à votre culture, plus elle va être rentable. Attendez un peu qu'on ait tout construit et qu'ils m'aiment, qu'ils reconnaissent le joug éclairé du roi sorcier d'Angmar. Et voilà. Pourquoi les Dead West pactisent avec une faction du mal? Bah regarde, je leur offre un nouvel empire. Est-ce que ça vaut pas le coup de pactiser avec le mal? S'ils t'offrent, carte sur table, des gigantesques possibilités d'expansion. Oh, moi, j'en connais qui vendent leur maman pour un crouton de pain. Hein. Alors là, voilà. Bon, je m'arrête là. Bon, par contre, la prochaine fois, cette bataille, je l'ai déjà faite. Hein. Attention. Hein. Cette bataille, je... Non, lève pas le siège. Ça sera le auto-win. Hein. Je l'ai mérité. Hein. Hop, voilà. Bon, demain... J'ai le planning qui est à jour normalement. Demain, je commenterai une petite game de The Dawnless Days. Et en soirée, on continuera Eredwin. Bon, normalement, j'avais une minute géopolitique, mais Nighty sera plus beaucoup dispo là au niveau professionnel. Donc, malheureusement, peut-être que je ferai une petite minute géopolitique moi-même. Un petit bilan. Peut-être que certains ne suivent pas ce qui se passe en Ukraine. Donc, on pourra peut-être faire un petit bilan de ce qui se passe sur la ligne de front en Ukraine. Je sais pas trop ce qu'on vous dit en France, donc on pourra en parler. Et peut-être un peu de Foxhole en soirée, vendredi, les Seleucides. Et un petit toggle faux. Ah, tant pis, là, j'ai fait un altab. Il va me falloir 2 minutes pour y retourner. Fallait me rappeler avant. Voilà. Bon, sur ce, je m'arrête là. Bonne semaine à tous. Bon courage pour ceux qui taffent. Je crois qu'il y a peut-être des écoliers qui sont en vacances, là. Mais bon, les écoliers, il n'y a pas d'écoliers ici. Il n'y a que des vieux boomers. Bon, allez, ciao, ciao, tout le monde. Passez une bonne soirée. Salut.